grosse comme une pomme, répondant au nom de Jackson sur le crâne d'une lycéenne Stetson. Sa tête fut mise à prix pour une sombre histoire de viol, élu pourtant élu shérif de Hudson. Il ne doit son statut qu'à son courage en somme. Alors voilà, l'équipe de Jimmy Page rançonnait le Carmel de Hudson. Bro Jackson, fermier de son état, n'avait pas son pareil dans le maniement du Smith & Wesson. Chasseur de primes, rangé, mutique et dévoué, il allait reprendre du service pour cette bande de fumiers. Voisin du Carmel, il était aux premières loges et trouvait la partie déséquilibrée. Ce jour de printemps, dérangé dans ses semis, il dégaine ses six coups et met fin au règne de Jimmy. On lit depuis, on lit l'histoire du shérif de Hudson, qui ne doit son statut qu'à son courage en somme. On apprendra plus tard que Bro n'était pas impliqué dans le viol de Miss Turtle, la patronne du Carmel. Insoumise et rebelle, elle s'était allongée, et Bro fit son devoir de cow-boy sommé d'artiller. L'histoire ne s'arrête pas là. De cet écart naquit une fille, l'orpheline de Hudson, répondant au nom de Betsy. Plus prompte à rectifier qu'à partir étudier, le Carmel l'a domptée et la voilà claquemurée. Avant de fuir ce lieu maudit, Bro Jackson récupéra Betsy. Voilà, c'était l'histoire du shérif Davidson, qui quitta son statut, mais pas son courage en somme.